Des questions sur la Joconde, la question pour un champion, il y en a eu plein. Mais des questions sur la Joconde, devant la Joconde, ça, c'est une première. Nous sommes ici dans la grande galerie du Louvre avec son éclairage zénithal qui nous permet d'observer de très nombreux chefs-d'œuvre dans les meilleures conditions. Certains au début ont été rebutés par ce tableau en raison de son réalisme macabre. D'autres y virent un véritable manifeste contre l'esclavage. Connaissez-vous la symbolique du sphinx? Si cette toile mesure presque 70 mètres carrés, en fait c'est parce que les moines du couvent vénitien qui l'ont commandé au XVIe siècle voulaient qu'elle recouvre entièrement un mur de leur réfectoire. Les bras de la Vénus de Milan n'ont jamais été retrouvés, pas plus que remplacés d'ailleurs. Le tableau le plus célèbre du monde, avec un des présentateurs les plus célèbres du monde.